and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Salut à toutes et à tous, Six Light, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Écoutez, pour ma part, ça va vraiment super bien les amis. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur la chaîne de la Obscure Clan. Et aujourd'hui, au programme, ça va tout simplement être une Knocked Out, une nucléaire en FFA tout simplement, à la Razorback, et pas sur n'importe quelle map, puisque c'est sur la map Gauntlet du DLC numéro 1 Awakening. Donc voilà, je pense que vous la connaissez tous, mais écoutez, si vous ne la connaissez pas, Gesh va aujourd'hui vous la présenter. Donc franchement, c'est un superbe gameplay. La chaîne du player sera bien évidemment mise dans la description, je vous laisse aller checker. Ma chaîne également, si mon commentaire vous fait plaisir. Enfin bref, voilà, allez voir la description, c'est toujours assez important de voir les liens qu'on peut y trouver. Donc voilà, alors moi aujourd'hui j'avais un petit sujet, je viens vers vous parce que j'ai un petit sujet, c'est assez normal. Et en fait, moi j'aimerais vous demander que vous apporte la console. Voilà, c'est un petit sondage, un petit sujet, tout simplement un petit débat que je voulais vous proposer. J'aimerais vraiment que dans l'espace commentaire, vous soyez le maximum possible à répondre à ma question. Qu'est-ce que la console vous apporte, tout simplement? Et moi, dans cette vidéo, je vais dire mon avis et vous, votre rôle, en fait, ça va tout simplement être d'écouter mon avis et de mettre votre avis dans l'espace commentaire. Il s'agit d'un débat, donc le principe même du débat, c'est que vous interagissiez avec moi. Enfin bref, donc voilà, tout le monde n'a pas les mêmes pensées, n'est pas pareil, c'est-à-dire que la console ne va pas apporter en fait la même chose que d'autres. Voilà, on est tous différents et c'est justement ça qui m'intrigue. Moi, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que la console vous apporte en fait. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire la console, ça m'apporte, c'est déstressant quoi. Après une journée de cours assez difficile, c'est-à-dire avec les professeurs qui te saoulent, etc. Tu prends des mauvaises notes. Enfin bref, t'es stressé et en gros, la console, ça peut te permettre de t'échapper du monde, voilà, être dans ta bulle, tout simplement de déstresser. Voilà, certains vont sûrement dire ça, d'autres vont peut-être dire que c'est fun, voilà, que la console nous apporte du fun, dans le sens où sur Black Ops on avait le jeu d'armes, sur Black Ops 2 également, il y avait sur MW3 du mode infecté, ça permet de se détendre, enfin de rigoler, de se taper des barres avec des potes, enfin bref, tout le monde aura des pensées assez différentes. Il y en a d'autres qui vont peut-être même dire que, je sais pas, ça t'apporte une meilleure connaissance en anglais, dans le sens où tu peux régler la langue dans tes jeux vidéo, c'est-à-dire que certains, dans le menu, ils vont changer, ils vont mettre les paroles en anglais, ça c'est possible, enfin bref. Il y en a peut-être d'autres aussi qui vont dire que la console, ça apporte des engueulades avec sa famille, avec sa copine peut-être, parce que voilà, t'es un peu trop addict, etc., etc., ça peut créer des engueulades, ça peut également créer de la rage, parce que moi je rage beaucoup également, enfin bref, ça c'était mon point de vue, moi je rage beaucoup, ça crée des engueulades avec ma famille, c'est un peu ce que ça m'apporte parfois également du fun, voilà. Dites-moi en tout cas, vous, ce que la console vous apporte dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. Sur ce, les amis, je vous laisse, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, et ciao, bye, peace. Il est en vie. Il y a plutôt intérêt. Le sujet risque de semer la destruction dans tout l'univers. On ne peut pas le laisser.